pour la situation actuelle des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, ce dont je pourrais parler, c'est surtout en matière de VIH, je peux dire qu'il y a des avancées. Ces avancées-là, on peut les résumer d'abord à la promulgation de la loi VIH. C'est également l'abrogation de l'article 360 du Code pénal qui justement punissait gravement le fait que deux personnes de même sexe, en termes d'attentat à la pudeur. Il y a également des avancées concernant, pas en matière légale, mais il y a des avancées dans les processus, les collaborations entre les communautés, les ONG nationales et puis les partis nationaux pour l'accompagnement, pour la prise en charge justement des communautés par rapport à leur accès aux services de santé. L'une des avancées aussi, c'est l'observatoire que nous avons mis en place pour les droits humains en lien avec le VIH, qui est vraiment un parterre où se retrouvent aussi bien les ONG, aussi bien les partis nationaux. C'est-à-dire, quand je parle des partis nationaux, je parle de toutes les organisations gouvernementales qui sont impliquées dans la lutte contre le VIH et qui, d'une manière ou d'une autre, nous accompagnent en termes de veille concernant toutes les notifications, les violations, et en termes de solutions à apporter en matière de VIH, justement, pour l'accès des populations aux services de santé. Je ne parlerai pas de bafouer. Je dirais que même si des efforts ont été faits, il y a encore beaucoup de choses qui restent à faire. Et ces choses-là, on peut les résumer en quoi? Il y a des projets de loi qui avaient été pris, surtout pour ce qui concerne les usagers de drogue, et qu'aujourd'hui, nous attendons que justement on puisse finaliser ces projets de loi-là pour voir leur application. Et pourquoi on souhaiterait que ce projet de loi-là puisse être appliqué? C'est que ce projet de loi-là traduit l'engagement de la Côte d'Ivoire par rapport aux conventions internationales, par rapport à l'UNGAS 2016, où la Côte d'Ivoire est partie prenante pour reconnaître qu'aujourd'hui, il faut apporter une solution thérapeutique à l'usager de la drogue et non une solution coercitive comme c'est fait pour l'instant. Pour ce que j'ai eu à entendre aujourd'hui, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup d'engagements qui sont pris, mais avec les interventions des organisations de la société civile, il y a encore beaucoup à faire en termes d'implication de ces organisations de la société civile pour prendre une part encore plus active dans les activités de la Commission africaine des droits de l'homme, les impliquer au moment de la prise des lois, des conventions, demander leur avis et s'assurer, surtout l'une des inquiétudes, comment la Commission africaine des droits de l'homme fera en sorte que toutes ces conventions, tous ces engagements qu'ils prennent puissent être coercitifs pour les États et comment faire en sorte que pour les États qui ne les appliquent pas, quelles sont les solutions qui seront mises en place pour les obliger à appliquer ces lois-là et pour ceux qui les appliquent, comment les accompagner justement pour être sûr qu'on ait plus d'efficacité justement dans l'atteinte des objectifs que s'est fixé la Commission africaine des droits de l'homme. L'une de nos recommandations, c'est que cette loi-là puisse être promulguée, puisse être mise en application. Et le deuxième aspect sur lequel on voudrait vraiment voir les choses bouger, comme je disais tout à l'heure, on a vu l'abrogation de la loi de l'article 360 du Code pénal. Et aujourd'hui, on souhaiterait s'assurer qu'effectivement, pour ce qui est des acteurs de mise en œuvre de cette loi, de cet article 360-là, on puisse voir les lignes bouger un peu. S'assurer qu'effectivement, dans leur pratique de tous les jours, les forces de l'ordre, les acteurs sociaux, tous ceux qui interviennent par rapport aux populations clés, puissent véritablement prendre en compte l'abrogation de cette loi-là et mieux intégrer, mieux prendre en compte la réponse au VIH, la prise en charge des populations clés par rapport justement à leur accès aux services de santé. La prise en compte des populations clés est une question inclusive dans notre pays. Ce n'est pas une question de santé publique uniquement, mais c'est une question qui concerne la sécurité, qui concerne le social, qui concerne en fait tous les points de la vie sociale, de la vie de tous les jours. Puisque c'est des êtres humains comme nous, notre recommandation, c'est qu'on puisse les prendre comme des êtres humains, respecter leur dignité,
accepter qu'ils soient différents de nous et surtout leur apporter le paquet d'offres de services en matière de santé dont ils ont véritablement droit.